Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose des anticuchos de Saint-Jacques, une grillade revisitée d'un classique péruvien. Tout d'abord, nous allons décongeler nos Saint-Jacques péruviennes. Je vous conseille une petite grille sur plaque ou tout simplement une passoire ou chidon étamine que vous placerez au-dessus d'un bol et garderez au frais toute une nuit. Voici nos ingrédients que nous allons avoir besoin pour réaliser notre plat. Les anticuchos sont des brochettes de bœuf qui sont très populaires au Pérou. Ils sont très représentatifs de la street food péruvienne. Elles sont grillées sur le feu, ce qui donne ce goût très spécial. Faisons de même avec nos Saint-Jacques. On les assaisonne de sel et de poivre et on les baigne dans une marinade. Vous trouverez ces crèmes de piment dans toutes les boutiques épiceries péruviennes en France. Mettons un peu de crème de ají panca, mais aussi de crème de ají amarillo, du cumin, de l'origan sec, de l'ail frais, du vinaigre de vin rouge ou du vinaigre de vin blanc. On mélange le tout. Un peu de sel et poivre noir concassé. Vous pouvez laisser mariner vos Saint-Jacques quelques heures si vous le souhaitez. Pour reproduire ce goût de grill et viande flambée, nous allons préchauffer notre poêle. Après avoir versé l'huile de tournesol, bien attendre de voir une fumée sortir de la poêle. La poêle est bien chaude et vous pouvez placer vos brochettes. Secouez un peu et vous pouvez flamber. Évitez de trop toucher. Laissez flamber vos Saint-Jacques quelques secondes. Les anticuchos s'accompagnent en général de pommes de terre et de choclo, le maïs péruvien. Voilà, c'est prêt. Régalez-vous et à très bientôt pour une prochaine recette de Saint-Jacques.